Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 pour un petit épisode de tout et de n'importe quoi, surtout du n'importe quoi, parce que nous sommes sur ma map buggée que je n'ai point supprimée ni remise à zéro, parce que je trouve ça, j'aurais trouvé ça dommage. Hein, ce sont des fleurs, j'ai cru que c'était un animal qui était là. On va voir si on trouve un petit village de PNJ là-dedans et faire un petit peu le tour des arbres, parce que celui-là est quand même phénoménal. Alors, on m'a demandé comment j'avais fait une map. J'avais fait bugger une map. Oui, parce que ça ne se télécharge pas. Non, non, non. Il n'y a pas de site internet qui te permette de télécharger une map buggée. Non, non, non. Ça, tu le fais toi-même. Avec tes petites mains de nouilles. Parce que il y a des fois, je me suis fait criser toute seule. Donc, il suffit de créer une map. Par exemple, moi, là, je suis en 1.8.3. Et puis tu l'ouvres en 1.6 ou en 1.5 ou en 1.7, je l'avais oublié lui, ou en 1.4 carrément. Et moi, celle-là que j'avais créée en 1.6, je l'ai ouverte en 1.8, puis je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais avoir fait bugger ma map. Je me suis dépêchée de la fermer. Eh oui! Et dans la panique, je l'ai rouverte en 1.4. Alors là, la douleur extrême de la map qui a donné ça. Mais j'avais même pas besoin pour la faire bugger. Il suffisait juste l'ouvrir, de la créer en 1.8 et de l'ouvrir en 1.6. Ou alors c'est le contraire, je l'avais fait au moins en 1.6 et je l'ai ouvert en 1.8. Je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé, mais en attendant, c'est ça qui a donné une map buggée. Toutefois, je trouvais que c'était pas assez. C'est vrai qu'une fois, je l'ai ouvert en 1.4. Donc, ça a dû un petit peu compliquer les choses. Voilà, ça n'a pas aidé, quoi. Voilà, c'est ça que ça fait. Mais, car il y a toujours un mais, et dans Minecraft, tout est magique. Il va falloir que j'arrête de trouver des choses magiques parce que là, ça fait, en 2 jours, ça fait 2 fois que j'utilise à propos de quelque chose. C'est que même si c'est buggé, eh ben c'est beau. Parce que là, on a quand même une petite montagne qui est moitié terre, moitié sable. Ouais, on sait pas. Alors, est-ce que c'était le biome déjà qui était un petit peu space? Je ne sais pas. On a des blocs qui volent. Il vole bien celui-là. Oh, c'est beau. Non, il n'est pas qu'en sable, alors du coup il tombe pas. Et puis on a quand même des arbres qui sont buggés comme on avait au début. Et regarde là-bas ce qui se prépare. Oh purée, j'adore, j'adore, j'adore. T'as des blocs comme ça qui te font style. Un vaisseau spatial sur Minecraft. Oh, que c'est mignon. Oh là là, là-bas. Attends. Et du coup, tu arrives sur une map qui est complètement space, mais qui est quand même pas dégueulasse. Voilà, pour parler clairement, avec des blocs un petit peu partout. Bon, ça devait être naturel. T'as des endroits où tu vas avoir des grottes qui normalement étaient complètement recouvertes, qui sont ouvertes. Recouvertes, ouvertes. Voilà. Tu vas avoir des endroits complètement étranges. Oh la vache, ça c'est beau! Naturel hors note, je ne sais pas, mais c'est magnifique. Peut-être que déjà à la base c'était comme ça, mais j'ai l'impression que non. Bon, enfin. Hop là. Et t'as les arbres buggés qui ont ce petit quelque chose de magique. Que moi, j'adore. Mais là, on n'en a pas à première vue. Parce qu'on n'est pas dans un endroit où il y a des arbres buggés. Oh! J'ai des phrases des fois. Une fois sur une map buggée, j'avais quand même une montagne enneigée en plein milieu du désert. Chose totalement impossible.
des petits morceaux enneigés, parce que, oh, ok, mais une montagne complète, non, c'est niet. Là, tu vois, par exemple, ici, ça a été coupé. Donc, du coup, la lave dégobille partout. Voilà. On va voir un petit peu si on repart par là-bas, si on retrouve les arbres. Tac, 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 tac. Hop, la nourvla. Oh, j'ai ma chaudière qui vient de faire un bruit bizarroïde. Là, on retourne au marais. Là, bah, on a des arbres bugged. Ouais. Et regardez comme c'est beau. Des arbres en lanterne des mers. Des arbres en bois d'acacia. Ah, oh, tu vois, ça s'allume quand t'arrives, Votre Majesté. Des arbres en slime, des arbres comme ça en bois d'acajou ou acacia, je ne sais plus. Attends. Acacia. Tu sais, je connais pas trop les acacias avec ma map. Attends, on va aller voir si ça remarche. Là, c'est pas éclairé. On s'approche. Non? Oh non, hein, dis donc. Alors, ah, voilà. À votre majesté. Attends, on recommence. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Oh, ah, la vache. Oh. Ouais, je me la pète un peu. J'éclaire les arbres à mon apparition. Ouais. Ils me voient arriver, ils disent oh! Ouais! T'as vu ça là? Régnier, t'es où? Je t'ai entendu, mais je te vois pas. Ah bah tant pis. Waouh! Bah là, dis donc, il y a du people! Ça va les mecs? Il va faire jour, l'arbre il va cramer! Par où j'étais passée pour retrouver ma belle forêt, parce que la forêt là-bas elle est trop trop belle. J'ai fait pas mal de vidéos en musique à cet endroit et Votre Majesté. Bon allez, j'arrête, 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 parce qu'après vous allez dire que j'ai le melon. Ouais, un peu quand même, les arbres s'éclairent quand j'arrive. Ah, ils me voient, ils disent, oh, c'est Orphéa, génial, elle est là. Oh. Bon, allez, stop, 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 Orphéa, ça va pas ta tête. Quand même. Ah. Bon, ben voilà comment on fait une map buggée, comment on peut s'amuser avec une map buggée, et comment, qu'est-ce qui se passe. Et que qu'on va ressortir, parce que je croyais que c'était une grotte, mais en fait, non. Et là, bout de coincé, toi. Ou c'est ballot, hein. Non, une araignée n'est jamais ah, coincée, là, pardon. Je sais pas pourquoi j'allais dire croisée. Je veux croiser quoi? Moi, je ne sais pas. Les doigts, peut-être. Allez, go, on croise les doigts. Ouais, pourquoi? On sait pas, mais on croise les doigts. Bon, mais moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce délire complet. Où des arbres s'allument sur mon passage. Ouais. Où on retrouve mon lit là-bas. Parce que c'était une aventure en mode survie. Et là, je m'étais fait un promontoire pour faire dodo et être loin des monstres. Enfin, on va voir s'il y a mon lit. Yes. Ouais, je suis avec le pack de ressources Égypte ancienne. Parce que je suis en train de faire le temple. Flandisis Compaseum. Et je m'étais couché là, moi, comme une grosse tromblon, là. Non, mais. N'importe quoi. Alors, une grosse tromblon, vous pouvez chercher dans le dictionnaire, ça n'existe pas, hein, c'est un mélange de mots mis ensemble, et voilà, ça donne ça. Bon, ben sinon, moi, je vous fais.
On va s'arrêter là, hein, parce que il n'y a pas que la map hein, qui a bugué, peut-être un petit peu Orphéa aussi. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie pour le courage que vous avez à me supporter. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus, tout le monde!